Moi, je m'appelle Brittany Britt. Je suis étudiante de 6e session en soins infirmiers. J'ai débuté mon parcours collégial en sciences humaines. Finalement, ça n'a pas été une réussite pour moi. Je ne m'identifiais pas à ce programme-là. C'est là que j'ai fait mon entrée en soins infirmiers. Puis c'est là que ma vie a changé. Quand j'avais à peu près 12 ans, ma sœur a été hospitalisée à l'hôpital de Sainte-Justine. J'étais passionnée de leur travail, de leur professionnalisme. Puis j'ai dit à ma mère, c'est là que je veux être plus tard. Lorsqu'on gradue, on a un examen de programme à passer. Puis le cégep de Saint-Jérôme se classe toujours dans les 5 premiers à peu près. Donc c'est sûr que c'est toujours motivant d'aller dans un collège qu'on sait qu'il est qualifié, qu'on est bien entouré, puis que notre réussite est mise de l'avant. À partir de la 4e session, une fois qu'on a réussi le cours avec succès, pendant tout l'été, on a un travail rémunéré. Puis on travaille un pour un avec une infirmière. C'est vraiment le moment qui a enrichi mes connaissances, ma technique. C'est là que tu as ta confiance en soi. Puis c'est vraiment là que j'ai dit, OK, j'ai ce qu'il faut pour faire ce métier-là. Présentement, je suis engagée comme CP, donc candidate à la profession, à l'urgence de Sainte-Agathe. Puis, je veux compléter mon baccalauréat en sciences infirmières à l'UQO. Ensuite de ça, j'aimerais aller faire du Grand Nord. Faites-vous confiance. Honnêtement, le cégep de Saint-Jérôme nous entoure tellement bien. Dès qu'on arrive, on est pris en charge, on n'est jamais toute seule. C'est sûr que la technique en soins infirmiers, c'est une grosse technique, ça demande beaucoup d'implication, mais quand on le fait avec le cœur, puis avec de la motivation, puis de la rigueur, c'est le plus beau métier du monde.